Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale. On va faire une petite ouverture de coffre. Si si, regarde, on va aller sur coffre gratuit. Alors en espérant qu'on se fasse pas douiller, hein, parce que la plupart du temps on se fait douiller. Alors juste, j'ai eu des infos par rapport à moi, on s'en bat les steaks. Mais en fait, il y a pas longtemps, si vous vous rappelez bien, j'ai reçu un coffre magique, je crois. Non, ou un... Enfin attends, ça doit être un coffre magique. Et en fait, ouh, ça c'est bien ça. Et en fait, j'ai regardé juste après ce coffre magique, là où j'en suis, et ben on a bientôt un coffre géant. Donc ça veut dire que bientôt je vais gagner un coffre géant et ça peut être plutôt pas mal à ouvrir, voilà. Donc du coup, une roquette. Bon là, il se fout de ma gueule en donnant une roquette, hein, j'ai horreur des roquettes et tout ce qui se lance de loin comme ça. Donc 49 d'or, c'est plutôt pas mal. Deux gargouilles. Ouais, t'aurais pu m'en donner plus, ça aurait été pas mal aussi. Ah, 4 bombardiers, ça c'est pas mal. D'ailleurs, j'en ai acheté ici en plus, voilà. Petit à petit, moi j'achète les cartes et ça s'augmente un peu petit à petit. Franchement, les deux sorts là, c'est un truc de malade. comme vous avez pu voir, je les ai eu dans la dernière vidéo, celle d'avant là. Enfin, la dernière qui correspond aux ouvertures de pack. Ouais, je suis à 122, donc petit à petit, j'augmente. Je suis bientôt peut-être à 200, ça pourrait être pas mal d'augmenter niveau 8, ça serait ma première troupe niveau 8. Ça pourrait être plutôt cool. Voilà, donc du coup... Merde, putain, vas-y, je m'en bats les steaks. Merci. Du coup, on va ouvrir le coffre... coffre d'argent, voilà. Oh, on est à pile 3600, c'est beau ça. On va ouvrir le coffre d'argent. Ah, mais ça, je m'en fous, gros, c'est un truc de ouf. Allez, une petite épique. Non ? Ah, 3 bombardés, ça fait plaisir, ça va. Ça va, ça fait plaisir. Là, en plus, j'ai jamais eu d'épique dans les coffres d'argent, moi. J'en ai eu que dans les gratuits, dans les ors et dans les magic, là. Et puis les géants, je crois, aussi. Bon, allez, on va essayer d'ouvrir lui. Attention, je compte sur toi. 43 d'or. Bon, déjà, là, je compte pas trop. Ah, 2 chevaliers, c'est pas mal. Attention. Mais putain, mais c'est... Ça, c'est bon, ça. Tu vois, c'est comme ça. Moi, je veux des ouvertures comme ça, gros. Ben voilà. Mais oui, c'est ça que je veux. Moi, je veux pas des ouvertures à con. Tu me donnes des roquettes ou je sais pas quoi, là. Voilà, 44 d'or, c'est pas mal. Un chevalier, t'aurais pu m'en donner plus, mais... On va dire, c'est déjà bien. Et là, attention, on devrait avoir 6 machin. Non, 6. 5, 5. Oh. Deux fois d'affilée, le même. Même coffre. Franchement, ça fait plaisir. Oh là 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 là, 5 squelettes, c'est magnifique. Allez, on va ouvrir le coffre d'or. Là, il y a déjà... plus de sous et plus de cartes, c'est déjà un peu plus intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah non, j'ai dit on va... Non mais... Oh. Tu te fous de ma gueule en fait. Non mais arrête, non mais... Oh mon gars, mais c'est dégueulasse. Oh là, si tu me fous pas un bon petit mousquetaire, je crois que je t'explose la gueule. Ou un cochon à la limite. Oh putain. Oh putain. Mordel de merde. Oh mais c'est la joie où je... Oh, en ce moment c'est la joie où je rêve là. Mais j'ai que des cartes épiques en ce moment. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Bon, je m'en bats les steaks, hein. Mais enfin, j'utilise pas vraiment, mais... Mais au moins je l'ai, quoi. Enfin, au moins je peux l'améliorer si je veux et tout. Mais c'est un truc de fou, mais... Ouais, les cartes épiques en ce moment, ça... Wow, ça y va, hein. J'en ai eu 2 la dernière fois. Là maintenant, j'en ai une là encore. Regarde. Elle là, regarde, j'en ai 2 de ça, j'en ai 3 de ça. Regarde, j'en ai 2 là. Bon là j'en ai toujours une, hein, ça augmente pas mais... mais voilà, regarde, t'as vu, c'est plutôt énorme au niveau des cartes épiques là. Regarde, hop là, j'en ai une. Ouais, donc celui-là j'ai pu l'améliorer. J'ai gagné 2 cochons et du coup j'ai pu l'améliorer niveau 4. C'est plutôt pas mal. Mais bon, malgré tout, voilà, c'est cool quand même au niveau des cartes. Ouais, donc aussi j'ai pu l'augmenter, le ballon et tout. C'est ouais, au niveau cartes épiques en ce moment, wow, ça y va, hein. J'ai eu le dragon aussi et tout. C'est vraiment, waouh, en ce moment, c'est épique, quoi. Enfin bon, ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller le coffre à couronne, donc on va se faire quelques combats. On va voir ça ensemble. Enfin, on va prendre le meilleur, hein, donc les meilleurs combats. Et puis voilà, et puis après on se retrouve juste après les combats pour ouvrir le coffre. Et puis voilà, donc juste comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Et puis on va tout simplement combattre. Allez, c'est parti. Bon, allez, on envoie le petit mousquetaire. Voilà, donc lui, je sais pas ce qu'il fait. Il doit attendre que j'envoie. Ok, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le petit archer. Bien.
Hop, voilà, et on va envoyer, regarde, on va envoyer le petit squelette. Tu vois, hop, il va rien pouvoir faire le mec. Regarde, simple. Zoup. Et nous, ça coûte qu'un seul élixir, quoi. Ah, oh, c'est magnifique. Oh putain, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, je kiffe total. Regarde, hop, le petit bombardier pour les autres connards, là. C'est nickel, franchement, c'est nickel. Regarde ça un peu. Hop là, boum. Et boum. Franchement, kiff total. C'est super génial. Ah, par contre, oh, au niveau de la vie, mon gars, il m'a enlevé, hein, cet enculé. Oh là 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 là, mais c'est un truc de fou. Bon, allez, on va envoyer ça. On va envoyer le petit chevalier. Et on va envoyer le machin. Voilà, donc là, c'est nickel. Jusque là. Oh là là, mais ils se sont fait défoncer en deux secondes chrono, quoi. Putain, oh, c'est un truc de fou. Hein. Ah, mais je vais défoncer une tour, gros. C'est bon, ça. Ah, comme quoi, hein, tu vois. Comme quoi, quoi. Et en plus, je l'attaque encore plus sa tour, là. Ça, c'est bon. Ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer, hop, les petits archers. Tranquille. Oh là là, mais regarde la tour. Oh, mais c'est même plus une tour, ce qu'il a, là. Là, c'est un débris qu'il a. Mais regarde ça, un peu. Je vais... Oh, putain, attends, vas-y, remets-le, là. Je vais niquer sa tour en deux secondes chrono. C'est un truc de fou. Bon. Mon bombardier, il a pas servi à grand chose, j'avoue. Mais on va lui défoncer sa tour, c'est moi qui vous le dis. Regarde, tu fous un petit mousquetaire. À part s'il défend, normalement ça passe. Normalement ça passe, nickel. Allez, bim, voilà, c'est bon, on a gagné, les gars. On a gagné, franchement, génial, GG. GG, GG, franchement, c'est super génial. Oh, ça c'est en deux secondes chrono. C'est un truc, en deux secondes chrono, on la défonce. Allez, on a un coffre en or et tout, c'est magnifique. En deux secondes chrono, et on la défonce, mais comme ça. Boum 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 boum. Ah ouais, mais c'était plutôt cool. Il a bien attaqué dès le début, mais on l'a bien défoncé aussi. Hein. Bon, on rattaque encore une fois. Et puis on se dit après au coffre. Allez, c'est parti. Allez, les gars, on respire un bon coup. Et on parle un peu plus fort là. Parce qu'on a l'air d'être mou du bloob là. Du boulbe, je crois qu'il. Non, du gloob ou du. Ah, enfin, je sais plus. Je crois que c'est dans Titeuf ou je sais plus trop quoi. Non, je crois que c'est dans Kid Paddle. Un truc dans le genre. Enfin bon. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gagner. Ça me paraît logique, jusque là. Là j'ai vraiment fait de la merde. Clairement, surtout avec sa tour de merde là. Et j'ai pas de cochon pour pouvoir contrer cette tour à la con. Je peux vous le dire que là, je suis à moitié dans la merde. Ah ouais, là franchement je sais pas quoi faire. Mais alors vraiment pas quoi faire. Je vais envoyer des gobelins, mais à part ralentir mon élixir. Attends, à la limite je vais envoyer le bébé dragon ici. Voilà, donc ça c'est un petit enculé qui envoie le sort de foudre sur la tour histoire de faire un peu de dégâts. Voilà, je commence à avoir l'habitude, hein, y a tout le monde qui fait ça, donc au final t'as l'habitude. Voilà. Alors juste je me pose la question, est-ce qu'on peut essayer de diriger les troupes pour qu'elles aillent sur la tour du milieu et du coup faire en sorte que la tour du milieu puisse défendre. Ça pourrait être une bonne technique, ça. Et ouais, c'est vrai que je viens d'y penser là, et c'est vrai que ça pourrait être une bonne technique. Ça pourrait être plutôt pas mal. Après je sais pas. Voilà, donc ça tu vois bien, c'est bien le gros enculé. T'as vu tout ce qu'il enlève comme vie. Bon, je commence à avoir l'habitude, hein, je vous le dis, hein, franchement je commence à avoir l'habitude. Les gens ils jouent tous comme ça. C'est tous des connards. Les gens qui viennent sur ce jeu là, c'est des gens, ils viennent là juste pour gagner. Pouah, ça commence à être chiant, quoi. Ça commence vraiment à être chiant. Mais bon, après qu'est-ce que je te dise, je peux rien y faire. C'est pas moi qui fait le jeu, hein. Ah ouais, ouais, attends, j'avais dit qu'on se devait s'éclater là. Qu'est-ce que je fais? Je suis à la morale et tout, on s'en bat les couilles. Allez, reprends-toi un peu. Voilà, donc du coup, on va attaquer, on va tout défoncer. Allez, c'est parti, on envoie du bomber. Putain, j'étais en mode déprimé, c'est un truc de ouf ça. Oh là là, mais j'y crois pas. Putain, vous devez déprimer devant vos écrans, quoi. Oui, oui, non, je m'en bats les couilles. Tu peux parler d'autre chose, s'il te plaît? Truc de ouf, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, on va. Ouais, on est sur la minute speed. Donc tout simplement, on va envoyer notre dragon. Hop là, on envoie notre sauce, tout ça. On envoie le petit mousquetaire, voilà. Nickel, le dragon qui nique bien bien les troupes. Le mec aurait dû attendre un petit peu et puis le dragon n'aurait pas défendu. Donc tu vois, le mec qui est pas très intelligent, tu vois. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise les roquettes, parce que le mec est pas intelligent. Donc forcément, il est obligé d'utiliser les roquettes derrière pour pouvoir gagner, tu vois. Tu vois le délire, ça se voit direct, le mec. Ça se voit direct. Bon alors, arrêtons de parler parce qu'on va perdre à pas utiliser les troupes. Voilà, donc le mec, t'as bien compris que... Hein, il sait ce qu'il fait, tu vois. Le mec, il sait très bien qu'il a envie de gagner en faisant bien de la merde. Il arrive même pas à toucher ma tour. Il la touche pas. Et le mec, bah voilà, il fait comme ça. Donc, c'est un style de jeu. À la limite, tu fais que comme ça. C'est un style de jeu. Mais que juste pour finir un machin, tu fais. Ouais, pas de soucis, merci. Voilà.
juste au niveau de... Voilà, donc juste comme ça. Putain, franchement, pas mal celui-là, pas mal. Mais juste au niveau de justement de ce truc-là, c'est le mec, il envoie sa truc pour finir les tours. Ça, c'est pas cool, tu vois. Parce que tu te fais chier à bien défendre et tout, et le mec, boum, il suffit qu'il envoie une missile et bam. Et alors que là, s'il fait que ça, tout le long, qu'il envoie que des machins, il va pas te niquer à deux tours avec des troupes. Mais il va juste, à la limite, ça peut être acceptable parce que c'est quand même dur, c'est compliqué comme ça. Et c'est vrai que ça rend un bon petit truc. Mais juste, voilà, le mec il te nique toute ta tour avec des troupes. Et puis au final, il a juste un peu de vie et le mec t'envoie des trucs comme ça de loin. Ça, je trouve ça dégueulasse, quoi. Mais bon, après, hein, qu'est-ce que je te dise. Voilà, donc du coup, je pense qu'on va pas refaire d'autres combats. Après, ça va durer trop longtemps. On va s'ouvrir le coffre. Donc je vous dis à tout de suite. J'avoue que les combats étaient pas non plus super punch. Je suis désolé, j'étais en mode déprimé, mais je suis fatigué, un truc de ouf. Enfin bon, allez, c'est parti les gars, on va s'ouvrir le coffre, c'est parti. Bon les gars, après avoir joué avec un gros, mais alors mes gros fils de pute, tu vois, mais genre le vrai bon fils de pute, tu vois, que tu peux applaudir, ça fait waouh, bravo, t'es exceptionnel mon gars. Regardez-moi ça, mais franchement, mais. Regardez! Mais regarde, on va voir ça ensemble, vous allez voir comme c'est un gros fils de pute le mec, on va mettre ça en x4, voilà, parce qu'on s'en bat les couilles. Hein, l'attaque est nulle, ça c'est clair, mais on s'en bat les couilles, regardez bien, regardez bien. Regardez en haut de son écran. Regardez bien en haut de l'écran, vous allez voir. Vous allez voir comme c'est un fils de pute le mec. Alors déjà, tu vois, il commence à pleurer pour moi, genre, oh, t'es une merde, voilà, allez, va te faire enculer mon gars, allez, il repleure encore une fois, tu vois. Putain, et là, par contre, il commence à s'énerver, là, hein, il est pas content, hein, nanana. Putain, ce fils de... Et bien regardez, tout le long, c'est presque ça pendant tout le long. C'est un truc de ouf, ce mec c'est une grosse merde, c'est un gros connard ce mec, c'est un truc de ouf. C'est le genre de mec que j'aime pas, putain, c'est un truc de fou. Regarde, le mec il défend genre bien et tout, il attaque bien et donc du coup voilà, il se permet de se foutre de ma gueule. Alors, allez voilà, il pleure pour moi parce que j'y arrive pas, machin. Vas-y, ça m'énerve ça m'a saoulé, franchement, il m'a cassé les couilles ce mec. Regardez, hop là, mais là je le défonçais, s'il y avait un petit peu plus de time, je le défonçais le mec. Et le mec il était là, allez c'est bon, putain, c'est le genre de mec, t'as envie de leur foutre des tartes, tu sais. C'est le genre de mec tu... Putain, vas-y. Non, mais c'est vrai, quoi, putain. Bon, j'ai pas d'exemple sur la main, mais... Je me suis niqué le petit doigt. Bon. Bon, on va ouvrir ce coffre à couronne. Putain, mais il y en a des connards, des fois. Putain. Bon, allez, hop, c'est parti. Bon, 140 d'or, pourquoi pas. 2 gemmes, ouais. Enfin, 3, je veux dire. 3 squelettes, ça c'est pas mal ça. 5 hordes de gargouilles, mais c'est vraiment de la merde. 10 barbares, pourquoi pas. Et 2 tours de... Mais vas-y. Mais c'est de la merde ce coffre là. T'as cru que j'étais qui moi, c'est... Enfin... Enfin bon. Bon, on se quitte sur un coffre de merde. Hein. Oh, je peux vous le dire, c'est de la merde. Bon. Eh ben, bon bah c'est pas grave. Allez, bon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Ah, je suis vénère. Allez, ciao tout le monde, moi je vais bouffer. Allez, ciao.